mercredi le 1er, début de la PJW, on est arrivé à l'appart. Et il y a déjà Momo et Mostafa sur place. Bonsoir. Salut. Bonsoir. Non, putain, filmé, monsieur. Ça va, le balai. Non, tu veux pas dévoiler ton skill, ton vrai secret? Et toi? Et toi, dévoile ton secret. Attends, regarde. Non, mais je vais te regarder. Quel professionnel, regardez Momo, la gestion des doigts, le talent incroyable. Et Momo qui prend le contact au niveau des escaliers bibliothèque, qui remonte sur les escaliers bleus, double contact, double headshot. C'est magnifique, il s'insère dans la bibliothèque, mais il a plus de cartouche, que faire? Une expérience incroyable ici à la Paris Games Week 2017. T'es pas casse-toi, toi, hein? Des fois, mais c'est pas bon. Tout le temps. Regardez le petit qui est là. Il est tout petit. Jay. Wade. Coucou. Ouais, mais ça finit, je suis con, je fais une photo, là. On va, on saute. On a l'air des gros trisomiques. Stop. Ok, poussez-vous, merde. Bon, on est où, là? Dehors. Ouais, et il fait quoi? Il pleut là. Ah voilà. Ne me filmez pas. Ne me filmez pas, je ne peux pas. 6-4. C'est bon. Vous voulez une pièce, monsieur? C'est une pièce. Vous êtes un bon monsieur. Tiens, maintenant. C'est une pièce. C'est une pièce. Tiens, bon, rends-moi ma casquette. Ça, tu le mets sur Twitter, on le retweet direct. Ah, laisse tomber. Allez, c'est bon. Ah, ça alors, Tony. Je mets ça, bon, tout va bien, finalement. Ça va? Cette voix est ridicule. Bon, merci la régie pour ça, bien entendu. Je vous annonce qu'il y va y avoir... C'est quoi ça? Il va y avoir un showmatch. Le gros showmatch. Entre vous. Ah, entre vous, le public. Et la fragile Shark FPS. Applaudissez s'il vous plaît. Tony FPS, White Shark. Et la fragile Prime. Bonjour à toi, Richard, comment tu vas? Oh, moi ça va impeccable, et vous, ça va bien? Vous allez bien? Bon, Tony, vous l'avez déjà vu ce matin avec son vrai Alexis, comment tu vas, Tony? Ah bah ça va très bien! Et vous? Et avec nous, le fragile prod aussi, comment vous allez, les gars? La gueule de bois. Ouais, ça va le faire, ça va le faire. Eh bien, écoutez, messieurs, je vais vous laisser vous installer, vous allez vous mettre par là. Sachant qu'il va falloir qu'on trouve du public. Est-ce qu'il y en a un qui veut choisir des personnes du public contre vous? Alors, vas-y White. Y'a qui veut jouer aujourd'hui? Il en reste deux à choisir. Alors. Ouais, carrément, ouais, carrément. Bon, est-ce qu'il y a des fragiles qui sont chauds là? J'entends rien. Ah, ils sont chauds, ils sont chauds. On les appelle le fragile Shark FPS. Non. Fragile Shark FPS. Moi, je vote pour les noobs. Est-ce que tu vois des personnes susceptibles de te battre? Qui est fort? Qui veut battre? Qui veut battre Tony? Qui veut battre les fragiles? Ah ouais? Pardon. Y'a pas de bruit là! Allez! Allez! Bon bah, toujours pas de défaite hein, pour l'équipe de youtubeurs ici. Qui va enfin pouvoir battre cette équipe de youtubeurs? C'est la question qu'on se pose actuellement. Qui va pouvoir les battre dans le public? Allez, donc Malga va choisir Malga, de nouveaux challengers ici. Alors, on l'appelle aussi Valkyrie hein, quand il a ses cheveux blonds. Je pense qu'on va faire du bruit encore, s'il vous plaît. Il se met sur la photo. Regarde-moi ça, Marvin. Ah là là là. Surprise. Ça, c'était Jeffrey.
qui vient de voler en éclats face à cette hache. Est-ce qu'on peut les applaudir encore une fois? Ils sont en série de win. Je pense qu'il va falloir mettre des défis à partir de maintenant parce que ça va pas du tout. Ils sont beaucoup trop forts. Je le rappelle, bien entendu, il y a des cadeaux à gagner en plus avec des dédicacés en plus. Alors, c'est quoi qui est poster plus crédit, etc. pour les joueurs qui ont perdu? Un merci à toi, 6-4. De toute façon, tu vas rester là pour nous casse la prochaine. Et j'avais une petite question parce que je crois, si je ne dis pas de bêtises, que... Alors, on va attendre qui se serre la main, bien entendu. Alors, White. White, il faut que je t'appelle, évidemment, parce que si je dis pas de bêtises, tu vas devoir y aller. Et du coup, est-ce que tu as des petits mots peut-être pour le public avant de partir? Je voulais tous vous remercier pour cette semaine de fou, ça m'a fait extrêmement plaisir de vous croiser. C'était assez sympathique d'organiser des trucs avec vous. On a aussi noté que dans la communauté, il n'y avait pas seulement que des casus, il y avait aussi des niveaux très intéressants. On l'a vu sur le tournoi amateur qu'on a organisé avec Tony. C'était vraiment sympa, je voulais quand même vous dire merci avant de partir, donc merci. On peut l'applaudir plus fort, s'il vous plaît! Toute cette semaine de Paris Games Week a donné de son temps et de son énergie pour jouer avec vous. Encore une fois, s'il vous plaît, plus de bruit!